Nous mettons en lumière la montée en puissance de jeunes talents dans le monde du football, souvent éclipsés par les stars établies telles que Ronaldo, Neymar, Mbappé et Messi. Nous nous concentrons sur un joueur émerge en particulier, Lamine Yamal Nasraoui Bana, né le 13 juillet 2007 à Mataro, près de Barcelone. D'origine marocaine et équato-guinéenne, Yamal a rapidement montré son talent dès son jeune âge, attirant l'attention des recruteurs. Yamal a commencé à jouer au football à l'âge de 3 ans au CF La Doreta, un petit club amateur près de Barcelone, où ses compétences ont été rapidement remarquées. À l'âge de 7 ans, il a rejoint le centre de formation du FC Barcelone, continuant ainsi sa progression dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde. Il a impressionné les entraîneurs par sa technique, sa créativité et sa précision devant le but. En tant que jeune joueur, Yamal a déjà accumulé un certain nombre de records. Il est devenu le plus jeune joueur du Barça à jouer dans l'UEFA Youth League et a également représenté l'équipe nationale espagnole dans les catégories de jeunes, marquant des buts et démontrant son talent sur la scène internationale. Sa carrière a été marquée par des moments de brillance, mais aussi par des défis, notamment des problèmes disciplinaires qui ont éloigné temporairement Yamal de la Fédération Royale Espagnole de Football. Cependant, son potentiel reste indéniable, et il continue de susciter l'intérêt des grands clubs européens. Le FC Barcelone, conscient de la valeur de ce jeune prodige, prévoit de lui offrir un contrat professionnel dès ses 16 ans, en juillet prochain. Les observateurs estiment que Yamal a le potentiel pour devenir l'une des grandes stars du football mondial dans les années à venir, tout en soulignant l'importance de gérer avec précaution sa progression et son développement. En somme, Lamine Yamal Nasraoui Bana incarne l'avenir du football, un talent brut qui, avec le bon encadrement et la bonne gestion, pourrait marquer de son empreinte l'histoire du sport.